Ah, c'est beau. La parole de Dieu nous dit, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils, Jésus-Christ. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui l'atteste. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Notons bien, afin que vous sachiez. Il ne faut pas douter, il faut le savoir. C'est en mettant toute notre confiance au Seigneur que nous arrivons, par la grâce de Dieu qui nous accorde la vie éternelle au travers de son Fils Jésus-Christ. Et un autre passage nous dit, Jésus dit à Marthe, je suis la résurrection et la vie. Il s'agit bien de la vie éternelle. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Et il dit à Marthe, crois-tu cela? Et on pourrait aussi se poser la question, croyons-nous cela? Et c'est avec assurance que moi, je réponds oui, je crois que Jésus-Christ est mon sauveur personnel, que la mort n'a plus de pouvoir sur moi, parce que je suis devenu enfant de Dieu. Un beau jour, nous irons tout en chantant dans la lumière. Un beau jour, nous irons, nous rentrerons à la maison. Nous y trouverons nos frères et tous ceux que nous aimons. Nous y verrons notre Père sur le seuil de sa maison. Un beau jour, nous irons tout en chantant dans la lumière. Un beau jour, nous irons, nous rentrerons à la maison. Nous y trouverons la vie, notre vie de tous les jours. Mais elle sera jolie, transfigurée par l'amour. Un beau jour, nous irons tout en chantant dans la lumière. Un beau jour, nous irons, nous rentrerons à la maison. Un beau jour, nous irons, tout en chantant dans la lumière. Un beau jour, nous irons, nous rentrerons à la maison. Nous rentrerons à la maison.